La canopée de la forêt tropicale ouest-africaine semble immense. Pourtant, le massif forestier tropical, jadis dominant au sud de la Côte d'Ivoire, a disparu presque entièrement. Et le parc national de Taï n'en représente qu'une relique. Réserve de biosphère, patrimoine mondial, le parc national de Taï, avec ses plus de 5000 km², renferme encore, sous son épaisse canopée, une multitude de secrets. Difficile d'accès pour l'homme, cette canopée est peu connue. Les couronnes s'élançant vers le ciel et leurs branches oscillantes sont l'habitat de nos cousins proches, les singes. Comment font-ils pour se protéger contre leurs prédateurs naturels et contre l'homme, qui lui aussi les pourchasse pour leur viande ? Embarquez pour une balade à travers la forêt du parc national de Taï et découvrez le secret de l'étonnante alliance de singes qui s'y est établie. Le parc national de Taï en Côte d'Ivoire. C'est le massif forestier intact le plus vaste en zone de forêt humide en Afrique de l'Ouest. Patrimoine naturel mondial, réserve de biosphère. C'est quelque part sous l'abri impénétrable de la canopée que vit l'un des animaux les plus mystérieux de la forêt. Rares sont ceux qui l'ont déjà vu. Cet animal, c'est l'hippopotame pygmée. On ne connaît son existence que depuis 1844. Des générations de chercheurs ont, depuis, tenté d'observer cet animal si discret dans son milieu naturel. Voici les premières prises de vue réalisées. L'hippopotame pygmée semble être invisible, tel un fantôme magiquement protégé par la forêt. Ici, dans la pénombre permanente du sous-bois mystérieux, les limites entre apparence et réalité s'estompent. Suivez les traces de l'hippopotame pygmée et de son petit. Traversez la forêt de Taï et découvrez ce milieu naturel devenu aujourd'hui un refuge vital pour tant d'espèces menacées.